Salut les gens, merci à ceux qui sont restés et bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Alors, précédemment, je tentais de faire du SteamWorld League et ensuite j'ai proposé aux gens de choisir la seconde partie de soirée. Ça a été très très serré entre Dark Souls 2, la suite de l'aventure que j'ai commencé donc il y a avant-hier et hier, et Outlast. Sachant que Dark Souls 2, a priori, c'est du petit bonus, c'est du pur plaisir. A priori, pas nécessairement de speedgame en perspective. Par contre, Outlast, c'est dans l'optique de speedgame, puisqu'on va présenter. Et on va faire un live sur ce jeu. Et j'adore les jeux d'horreur. J'adore les jeux d'horreur parce que je suis bon client, j'ai facilement peur. Tout comme je peux facilement avoir des émotions positives, etc. Enfin, le cinéma et le jeu, pour ça, c'est pour ça que j'adore. C'est que ça me suscite vraiment des émotions intenses. Et les jeux d'horreur particulièrement, soit parce qu'il y a une bonne ambiance malsaine qui est posée, soit même les petits sursauts aussi. C'est un peu facile, mais ça marche bien sur moi. Surtout, voilà, ça crée une tension. Voilà. Donc, juste petite vérification, un petit bip bip. Comme il m'est arrivé plusieurs fois d'être trollé par... Par mon OBS, notamment sur mon. Enfin surtout sur mon ancien PC. Il mettait à jour le chat, enfin il. Si quelqu'un peut juste me faire un petit bip pour me dire je te reçois CDV. Ok, ça marche, parfait, merci. Ok, donc encore une fois, je peux vous faire choisir entre différents screens que j'ai préparés, puisque j'ai pris l'habillage de Dark Souls 2 et j'en ai fait vite fait un habillage pour Outlast. J'ai le screen classique de jeu. Le voilà. Le screen classique de jeu. Là, les deux fenêtres seront inactives en dessous. Ça, c'est mon habillage normal et là, il n'y a pas de raison que du coup, je garde ces deux fenêtres. Et j'ai prévu une full screen. Comme cela. Qui permet du coup d'être à fond dans l'immersion. Donc voilà, moi, c'est... Les deux me vont, ça change pas grand chose. Là, c'est mieux pour l'immersion, le full screen, mais par contre, vous n'avez pas le chat. Donc, du coup, c'est. Je sais pas. Salut à ceux qui reviennent. Ah oui, c'est vrai que RM fait Alien, ouais, tout à fait. Ah bah oui, c'est la thématique, c'est involontaire, mais. Mais c'est. Ah bah le full screen, c'est. Et je peux même. Alors, j'ai pas encore joué au jeu, je ne sais pas où est le HUD du jeu. Par défaut, j'ai laissé ma petite tête là où il y avait... où c'était le cas pour Dark Souls, là où il y avait de la place. Mais ça se trouve, ben, je serais obligé de la bouger. Merci, bec de Corbin. J'aime bien voir le chat, mais le full screen est bien aussi, donc... bon, si les deux sont bien, ça passe, mais... Là, je peux pas faire de sondage parce que j'ai le jeu en full screen et je peux pas quitter le jeu. Il n'est pas enfenêtré. Voilà. Eh ben, dans ce cas-là, on va commencer en full screen, alors. J'imagine que ça se joue en clavier-souris. J'ai même pas vérifié, mais... Il y a fort à parier, quand même. Allez, hop là, nickel. Ah, y a pas de HUD. Carrément, ok. Alors là, pour régler le gamma, déplacer le curseur jusqu'à ce que le logo de gauche soit sombre et le personnage de droite à peine visible. Donc là, il est à peine visible, effectivement. Ah là. En fait, non, il était bien... Nouvelle partie, Whistleblower, nouvelle partie tout court. Français, pour une fois vous aurez du français. C'est cool ça. Ça se joue à la manette, c'est à la troisième personne? Si c'est à la troisième personne, je joue pas au clavier. On va regarder.
Je sais même pas en fait. Allez, on est parti. Ah, c'est en vue première personne, c'est en première personne. Ah là là. Normal, difficile. Ah putain, difficile, c'est le deuxième niveau de difficulté. Alors, si vous... J'accepte d'en chier un peu. Alors, je sais que je mets pas psychose. Je sais que je ne vais pas mettre normal. Difficile ou cauchemar? Ça dépend comment est dosée la difficulté du jeu. Ce que j'aime bien quand même qu'il y ait un petit peu de challenge. J'aime bien qu'il y ait un petit peu de challenge. Pourquoi un casque? Les sons sont spécialisés dans le jeu? Sinon je peux me munir d'un casque, c'est pas le problème. Difficile plus que cauchemar. Niveau Hitchcock. Ouais, difficile, c'est le juste milieu. Ok. Eh ben, allons-y pour difficile. Alors là, normalement, j'ai pas mis le son du jeu trop fort. Mais je n'ai réglé la musique que... avec le niveau de la musique, j'ai pas le niveau des bruitages. Donc si c'est trop fort, je sortirai du jeu. J'ai envie de... D'accord. Donc, on a dit difficile. Outlast contient des scènes de violence intense, du sang, du contenu graphique d'ordre sexuel et du langage grossier. Bon amusement. Vous incarnez Miles Upshur, un journaliste d'investigation qui, enfin, dont l'ambition va lui faire connaître l'enfer sur Terre, toujours avide d'enquêter sur les affaires qu'aucun autre journaliste n'est prêt à étudier. Vous allez chercher à révéler le sombre secret que recèle l'asile de Mont Massive. Tâchez de rester en vie le plus longtemps possible. Et enregistrez tout ce que vous verrez. Mais vous n'avez rien d'un combattant. Alors pour parcourir les horreurs de Mount Massive et dévoiler la vérité, vous devez fuir, vous cacher ou mourir. Vous ne me connaissez pas, il faut que je fasse vite. Il surveille peut-être. J'ai fait une mission de 2 semaines en tant que consultant logiciel sur un site de Murkoff Psychiatric System à Mount Massive. J'ai signalé une série d'accords de confidentialité que je suis en train de violer en ce moment, mais franchement, ils peuvent aller se faire foutre. Il se passe des choses terribles là-bas. Je n'y comprends rien. Je n'arrive pas à croire à la moitié des trucs que j'ai vus là-bas. Les Toubib partent d'une thérapie onirique qui allait trop loin. De la découverte de quelque chose qui les attendait dans la montagne. Des gens souffrent, et Murkoff s'en met plein les poches. Il faut dévoiler ça au public. Thank you.
objectifs sont mis à jour dans votre carnet tab qui contient aussi vos notes N et les documents récupérés J. Tab NJ. Notes. Ah, mon clavier est mal paramétré. Ah, ça commence mal. Ok. Mais bon, on peut sauter. Ouh, ma souris est sensible. Comme ça. Oula, ma souris est très très sensible. Ok. D'accord. Comment on prend des objets ? Non mais... Ouais, j'arrive. C'est de l'horreur, mais... Ouvrez rapidement une porte, appuyez sur le... Appuyez ou maintenez le bouton souris gauche pour ouvrir. Événement enregistré. Ajout d'une note dans votre carnet. Pour la lire, appuyez sur N. Rien qu'à la vue de cet endroit, je commence à me sentir mal. L'asile de menthe massive, discrètement fermée par les autorités sur fond de scandale en 71, rouvert par Murkoff Psychiatric System en 2009, sous couvert d'une œuvre caritative. Perte d'un réseau de téléphonie mobile à 1,5 km. Plus probablement à cause d'un brouilleur que d'un problème de couverture. La Murkoff Corporation camoufle depuis longtemps ses activités rentables derrière des œuvres de charité. Mais jusqu'ici, jamais sur le territoire américain. Je ne sais pas ce qu'ils font ici, mais ça a l'air d'être un gros coup. Peut-être de quoi les faire couler, si l'article réussit à paraître. Alors, pas de spoil, s'il vous plaît. Alors, je vais faire un test si je baisse encore cette lumière, parce que moi, elle me gêne. Mais ça arrive... Ouais. Je vais faire un tout petit truc, je vais régler la luminosité, parce qu'en fait, il y a trop de luminosité pour moi. Parce que si vraiment j'éteins ça, je vous jure... Ah ouais, c'est mieux. Niveau immersion, c'est mieux. J'ai risque d'avoir mal aux yeux, mais c'est mieux. Momentanément. Momentanément, je quitte juste le jeu.
30 secondes juste pour enlever enlever quoi? Enlever, j'ai dit. Mais vous voyez, j'ai un fond d'écran Dark Souls. Je vais enlever juste la cam et le cadre. Parce que vous allez comprendre pourquoi je l'enlève. C'est parce qu'elle est noire ma caméra quand j'ai pas assez de lumière. Et pour l'immersion, j'ai besoin. Ouais, c'est... le but c'est d'être surpris quoi. N'essayez de pas anticiper s'il vous plaît. Mettez-vous à la place de moi et des spectateurs qui n'ont pas encore. Encore je. Appuyez longuement sur G. Non, sur Mage. Ah, ok. Comme vérifier un truc, il faut quand même que je filme. Je pense que pour bien mener mon enquête, je vais quand même filmer qu'il y a des. Ce qui semble être. Des véhicules militaires. Brouilleurs. Caméscope étant actif, j'ai même pas le temps de dire. Le détecticiel est passé tellement vite, j'ai même pas le temps de le dire là. L'ambiance comme ils appuient, c'est trop bon. Alors, l'ambiance est vraiment très bonne. Pour franchir un espace en sautant appuyé sur espace tout en avançant. Ça traîne pas.
Mais moi je vais fuir. Putain. Je pensais qu'ils avaient peut-être des petits commentaires, non? Ok. Récupérer son J. Initiale du patient WPH Billy. Statut de la thérapie. Le patient déclare avoir progressé vers des états de rêve lucides auto-induits. Activité de moteur morphogénique à une échelle sans précédent. Poursuite du programme hormonal niveau 4. Diagnostic, la spirométrie n'a révélé aucune accumulation bronchique. Point très inquiétant, il a de nouveau été impossible de séparer les érythrocytes. L'IRM a révélé une arythmie des mouvements oculaires rapides non rapides, rire à l'état non rapide. Billy a demandé où en était le procès intenté par sa mère à Murkoff et à l'asile. Ceci constitue une faille de sécurité gigantesque, malgré le fait que Billy ait déclaré avoir découvert la vérité dans les rêves sanglants du docteur Trager. Remarque, le seul Trager figurant dans les registres de la société, un dénommé Richard Trager, est un cadre de MRD. Il va falloir interroger tous les infirmiers et personnels de sécurité et examiner les vidéos de surveillance afin d'inclure la biométrie analytique. Alors on peut pas par contre examiner les ordinateurs, moi j'aurais cru. Non, il y a juste les objets en surbrillance. Oh, les bons vieux conduits d'aération.
L'ambiance est très... Quel bêta, putain, mais j'ai vu ça. C'était évident que ça allait arriver au bout d'un moment. La cam, je peux pas la laisser, elle est noire. Quand je ferai un deuxième stream sur le jeu, si je fais une pause, je mettrai une lumière. Thank you.
Là, il y a un échappatoire ici. Je pense que je peux... Si je me fais courser... Si le mec est un peu stupide... Il me poursuivra pas là. Oh putain... Ah putain. And who are you then? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Faut fuir les îles. Je suis à l'intérieur. Il y a des corps partout. Du sang. Des traces de brûlure. Des têtes alignées comme des bouteilles derrière un comptoir. Des scientifiques de Murkoff pendus au plafond. Sur leur badge, on peut lire « Murkoff système de recherche avancée ». Murkoff a l'habitude de tirer profit de prétendues actions caritatives, et ça ne date pas d'hier. Des milliards engrangés au détriment du tiers-monde. Mais d'où ont-ils tiré l'idée qu'ils pourraient se faire du blé avec un bâtiment rempli de dingues? Il y a une espèce de vigile empalé comme un cochon sur une broche. Avant de crever, il me dit de foutre le camp. Et seulement il me l'avait dit quand je pouvais encore revenir sur mes pas. Le service de sécurité et confinement de Murkoff, SSCM, a fait part au conseil d'administration de ses inquiétudes au sujet d'un risque élevé de défaillance d'ampleur catastrophique de la sécurité du centre psychiatrique avec danger imminent de contamination de l'environnement. Ces comptes rendus et témoignages contiennent suffisamment d'éléments avérés pour nécessiter l'intervention du SSCM et justifier l'émission de cet ordre de mission. Il vous est par conséquent ordonné d'accorder au SSCM l'accès à l'ensemble des installations et de vous soumettre intégralement à l'autorité de ses agents. En acceptant le présent document, vous et vos parents proches survivants renoncez à tout recours. À tout recours. Ah, j'ai fermé sans faire exprès. À tout recours à l'encontre de la Murkoff Corp. Ou de ses filiales au titre des actions du SSCM ou des circonstances ayant requis son intervention, même en cas de responsabilité avec ou sans faute.
Bon, évidemment, je lis les notes. C'est un jeu d'ambiance. Statut de la thérapie. Stagnation de l'activité du moteur morphogénique à environ 2000 ppm. Dépasser le niveau 3 du programme hormonal serait risqué. Diagnostic. La spirométrie a révélé une accumulation bronchique légère à moyenne. IRM cohérent avec les rêves rapportés par le patient. Note de l'entrevue. En raison des mutilations qu'il s'est infligées, Walker était entravé pour l'entrevue. Les entraves ont dû être adaptées à sa taille gigantesque. Ces éruptions dermiques étendues sont cohérentes avec l'échec de l'activité cellulaire MM. Le sujet déclare posséder une vision plus claire depuis qu'il s'est arraché la peau du front. Il semble avoir côtoyé dans son enfance des sphénodons, lézards dotés d'un œil pinéal. Il s'est déclaré anxieux au sujet de ses chairs, en particulier autour du nez et des lèvres. Les infirmiers devront rester à l'affût d'éventuelles nouvelles tentatives d'automutilation. Les traumatismes psychologiques qu'ils ont subis durant son affectation en Afghanistan ont l'air de ralentir l'évolution du processus MM. Sa fixation mentale, amplifiée par la thérapie, est axée sur les procédures de sécurité militaire. Il est vivement recommandé de poursuivre le confinement aussi bien par des moyens physiques que chimiques. On allait plus par là. Je vais d'abord fouiller la salle un peu mieux.
Putain. Chaque fois que je ramasse un objet, j'ai peur. Ok pour ça. Ok. Bon. Et ben j'ai trois zones à examiner. Je sais pas combien il me reste de piles, mais j'aimerais bien. Là, c'est pas un spoil, mais ça fait plusieurs fois que je me trompe de raccourci. Je veux me pencher et je gaspille une pile. Et je m'interroge. Je m'interroge si il jette la pile qui est à moitié, qui est encore à moitié ou deux tiers pleine. Cette porte nécessite une carte codée, évidemment.
Ils se sont fait massacrer, les gens. Messieurs, en l'attente d'un rapport complet, aucune action n'est requise de la part de la Murkoff Corp. Les profits potentiels du projet Valrider demeurent extraordinairement élevés. Les 4 cas de décès présentent des éléments suffisamment ambigus pour rendre impossible un quelconque recours dès lors que les preuves matérielles sont convenablement gérées. Le projet Valrider continue à présenter des dangers et de nouvelles pertes de cet ordre sont à prévoir. Cependant, comme dans les autres cas, l'intérêt dont font preuve les familles et les autorités envers les patients est tellement minime que les risques d'action judiciaire sont extrêmement faibles. Les violences entre patients augmentent avec l'approche de la production de modèles fonctionnels issus de la thérapie MM. Mais une combinaison de sédation chimique et d'entraves physiques s'est avérée suffisamment efficace pour assurer un contrôle et des profits permanents. Respectueusement, Hélène Grana, Murkoff, service juridique et contentieux. Why should we have to pay for it? Why do we have to die? Walker will kill us just for being sick. We're some people. We didn't choose this!
pire qu'un mec vivant, c'est un mec. Je sais pas quand il va t'attaquer. Il faut filmer suffisamment longtemps pour qu'il prenne une note. Je vais pas prendre la carte tout de suite parce que... Et que je vais prendre la carte, c'est comme dans Doom, dans plein de jeux. Ouf, il va se passer un truc. J'ai une petite note à lire. Une foule de types brisés qui regardent une télé hors service. On dirait des patients. Ils ont survécu à ce qui s'est passé ici, mais ils ont la cervelle en compote. Carte magnétique du local de sécurité. Nickel.
Ah, j'en étais sûr, putain. Courir, regarder en arrière, c'est classe. Ça. Ah. Ouf, putain. Ça avait beau, il mente, oui. Ah, il y a peut-être un moyen de fermer les portes délicatement. Ah ouais. C'est ça. On peut ouvrir délicatement. On peut pas fermer délicatement. Ok. Ok. Redémarrer le groupe électrogène, c'est pas... Oh là là. Cette zone là. Ça c'était l'autre porte pour sortir du bureau 126. J'ai oublié le...
Ne le filmer. Il est arrivé par là, forcément. Recherche et expérimentation hypnotique. 1954. Le mercredi 10 février 1954, les recherches et expérimentations hypnotiques se sont poursuivies dans le bâtiment 13 de la zone naturelle de Mount Massive, Colorado, sur les sujets suivants. Texte abrégé. Un test post-hypnotique a été mené sur des sujets hypnotisés la nuit précédente, doigts pointés, dormaient. Les dames Jackson et Pierce ont immédiatement rejoint un état hypnotique profond sans nécessité de suggestions supplémentaires. Il a ensuite été ordonné à Madame Pierce, qui avait auparavant exprimé une vive crainte des armes à feu, de recourir à tout moyen à sa disposition pour réveiller Madame Jackson, alors en sommeil hypnotique profond, et, si elle n'y parvenait pas, de prendre en main un pistolet déposé à proximité et de tirer sur Madame Jackson. L'ordre a été émis de manière à générer chez elle une rage telle qu'elle n'hésiterait pas à tuer Jackson si elle ne parvenait pas à la réveiller. Madame Pierce a appliqué ses suggestions à la lettre, y compris presser la détente de l'arme, à air comprimé et sans projectile, qu'elle pointait sur Jackson avant de plonger dans un profond sommeil. Après énonciation des suggestions appropriées, toutes deux furent réveillées et ont déclaré ne se rappeler d'aucun élément de la session. L'arme fut de nouveau proposée à Madame Pierce, qui refusa, en état d'éveil, de la saisir ou de l'accepter alors que l'opérateur la lui tendait. Elle nia énergiquement avoir jamais tenu cette arme en main. C'est quand même un univers vachement malsain, quoi. Moi, j'aurais peut-être attendu des secours. Caché quelque part. Autant je peux avoir une forme de courage. Mais pas celui-là. Activer les deux pompes et le disjoncteur principal. Pour redémarrer le groupe électrogène.
Alors, la question que j'ai, c'est est-ce que... Je sais pas s'il peut nous voir dans le noir, mais... C'est affreux. Ouais, bah dis donc. Yeah.
Ah putain, il a coupé le moteur. Plus de pile hype. Putain, mais sérieux, les deux générateurs, j'ai appuyé dessus. Je commence à avoir une crampe à la main, quoi. Non mais sérieux ? Oh mais putain ! Putain, c'est abusé quoi ! Sérieux ? Alors moi, une question que je me pose... Est-ce que les documents que j'ai pris... j'aimerais bien que quelqu'un réponde à cette question, là c'est important. Les documents que j'ai pris, si je meurs après, après le point de sauvegarde, est-ce que je dois les reprendre? Les prendre à nouveau ou il y a une exception pour les documents? Abusé quoi. Sérieux quoi. Putain, on voit que dalle.
Ah putain, mais quel blaireau. Ah, j'ai cogné ma souris. Ah putain, mais c'est pas vrai. Ah putain, mais quel blaireau. Non, il y a un troisième truc, mais c'est pas vrai, putain. Il m'a foutu les boules, ce putain de zombie, là. Ce mec. C'est pas possible, putain. En fait, j'ai fait ramper au lieu de courir, c'est ça? Ah putain, quel bêta, j'ai misclic. Du coup, il m'a rattrapé. Putain, c'est pas vrai. Ah mon dieu. Who's there? Mais putain! Mais putain, mais... C'est pas possible, ça, sérieux! Oui, je peux mettre une petite ver... Je peux... je peux mettre une petite veilleuse. En fait, vous voyez, c'est le problème. C'est que tous mes écrans sont noirs, enfin, ma caméra n'est pas assez sensible. Faudrait que je trouve une... un moyen de positionner ma lumière pour qu'elle me gêne pas. Mais là, la caméra n'est pas coupée, par exemple. Putain, mais c'est pas possible, putain! C'est quand même fou, quoi, le mec, je... Là, il y a la webcam, au passage. Mais... Il n'y a pas assez de lumière. Ah, putain! Vous me voyez. Vous me voyez très très mal. Mais vous me voyez. Ouais. Une bougie, ça pourrait être pas mal, effectivement. Je peux faire une petite pause et chercher sinon. Je suis pas sûr qu'on ait ça au bureau. Je fais une petite pause de quelques minutes. Je vais essayer de voir si je peux avoir. Ouais. Non mais c'est horrible le mec, putain. C'est vraiment. Normalement, il m'entend pas. C'est quoi cette IA de folie, quoi? Le mec, normalement, il fait comme un... une bonne vieille IA nulle. Il fait le tour du bloc, quoi. J'ai pas de touche pour me déplacer silencieusement. Je peux ramper. Ah mais bien entendu je mets pas ça pour tout, c'était juste que là je testais. Je fais une petite pause. Ouf quoi.
choper. Et potentiellement choper une petite. Alors pour la brancher, ça risque d'être un peu compliqué. Voilà. Comme ça. Voyez ma petite bouille. Là par contre j'ai... soit je mets ça, soit je la mets derrière. Il faut pas que ça me gêne. Ça va être ça, je vais remettre ma cam. Donc je la remets vite fait. Comme ça. Comme ça. Comme dans les œuvres radiophoniques. Pour faire un petit peu de bruit, c'est rigolo. Comment faire avoir faim ? Putain, au moins c'est raccord le verre. Je sais pas par quel côté.
consomme des piles, ça. J'ai pas compris comment ne pas claquer les portes, à vrai dire. J'ai trouvé comment ouvrir doucement une porte. J'ai trouvé. Mais j'ai pas trouvé comment... J'ai pas trouvé... Quoi ? Ah putain, mais c'est pas possible, putain ! Mais c'est pas vrai! Mais sérieux, y a que des sauvegardes automatiques ou quoi? Je pensais pas qu'ils sautaient par-dessus les meubles! Le mob, sérieux, il est censé être... pas si vigoureux en tout cas! Merde! Ah putain, c'était par là. Protype, ne cours pas. Ah mais... C'est là, j'ai pas retrouvé mon chemin, j'ai paniqué. Fuck. Protype, couvre la sortie. Il y a des casiers doux. Pas de casier là. Ouais, si on veut. Putain. J'ai mal, j'ai mon début de tendinite, c'est chiant. Eh, je vois mais rien, quoi. Putain, mais sérieux, quoi. C'est dur.
On peut sauvegarder et quitter. Ah. Faut tendre l'oreille, hein. C'est dingue ça, merde! Putain, sérieux quoi! J'attends combien de temps? Parce que si je sors quand il sort, il me tue! Il n'y a pas de sauvegarde, putain! Je sais où aller maintenant, mais... Est-ce que quelqu'un sait comment ouvrir... ouvrir discrètement, c'est en faisant G, en laissant appuyer sur le bouton gauche de la souris. Est-ce que quelqu'un sait comment on peut fermer une porte discrètement? Moi je les claque. Quel blaireau, mais c'est pareil, je suis fait re-repérer. Mais lol, sérieux quoi, putain! Il a Louis, il nous y a infini quoi!
Appuyez sur Z, mais Z c'est avancé. Ça peut pas être ça. Sérieusement. T'as mis sérieux? Ah putain, sérieux, c'est chiant. Oh putain, mais sérieux. Mais c'est pas possible, sérieux, mais merde. Accroupi, ça fait moins de bruit, mais... Là, j'étais paralysé, j'en ai marre de ce mec, là, sérieux, il est tout seul! Le PNJ patrouille, mais c'est hautement abusif, quoi. C'est vraiment, mais du pur délire, quoi.
possible, mais c'est abusif, quoi. Putain, mais sérieux, quoi. Putain, mais sérieux, quoi? Bah, pas besoin de s'enfuir aussi loin, mais... Vous rigolez? La dernière fois, je me suis enfui vachement loin, il m'a rattrapé. Ah putain, faut que je retourne en bas, mais mince! J'ai tout préparé, mais j'ai pas appuyé sur le bouton. Sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel. All doors will open before you.
Waouh, putain, c'est pas vrai quoi. Ah. Rest in peace, je suis mis en isolation carrément.